Pino, voilà moi, avec toute la neige ici. Hey. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte, je vais pisser! Mais ouvre! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Je vais pisser! Encore celui-là. Hey, copine, viens, cours. Mais qu'est-ce qui se passe? Viens, maman, qu'est-ce qui se passe? L'habitude, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Chaque jour. Bonjour. Mais c'est une habitude déjà. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec le monsieur à côté? Ma copine, pardon, réponds-lui. C'est déjà l'habitude. Il s'est trompé même d'entrer comme ça. Tu vois, il est là, la porte du garage, je crois que c'est sa porte. Okay. Il est sous... Donc, c'est pas chez lui alors? Non. Mais non, c'est chez lui. Le problème, c'est qu'il a chaque jour, il boit. Il confond de porte. Hé, ma copine, lui de passer par la porte centrale, il passe par le garage. Il dit ouvre la porte. Il vit seul. Ah bon? Bah, mais allez l'aider, hein, vous ne pouvez pas l'aider. Maman, on la voyait boire. Non, bon, c'est quand chacun même. Chacun ses problèmes en Europe. Pardon. Non, pardon. Je trouve pas ça gentil de votre part. Non, gentil, faut même si c'est une insulte. Hein? Et puis, il est sous, il risque de nous casser les ongles, c'est pas s'il une vous raison. Plaît. Il a appris ma copine à faire les poches. Ouvrez la porte! Je vais pisser! Ouvrez la porte! Je vais pisser! Il semblerait que vous n'êtes pas chez vous. Vous vous êtes trompé de porte apparemment. Hein? C'est pas le chez vous ici. Vous vous êtes trompé de porte apparemment. Je vais pisser. Ouvrez la porte. Et en plus, vous avez déjà ruiné, vous savez. Hein? Oui, vous avez déjà ruiné. Donc, je vais vous aider. Vous avez regardé si vous n'avez pas les clés dans vos poches? Hein? Oui. On va regarder si vous n'avez pas.